Et bien salut à tous, c'est Alex Parcouza, la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vraiment très hâte de faire. J'avais très envie de vous la faire. J'ai farmé du coup toute une journée pour pouvoir vous proposer tout cela. Ça va être tout simplement une méga ouverture de 100 super wheel spin et également pas mal de wheel spin normal à faire. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de vidéo sur YouTube de manière générale, parce que sur Forza ça avait été compliqué de farmer. Si jamais vous ne le savez pas également, il y a une nouvelle technique du coup qui est sortie par rapport à la MG X-Power, qui est une voiture du coup un petit peu ressemblante à la Porsche Cayman GTS de l'époque, mais en mieux. Donc si jamais voilà, j'ai déjà fait une ou deux vidéos dessus, n'hésitez pas à aller les checker. Moi je vais du coup pouvoir commencer la vidéo. Si jamais ça vous plaît, mettez bien un gros pouce bleu, abonnez-vous bien avec la cloche également. Et on va du coup pouvoir partir pour la méga ouverture de Super Wheel Spin. Allez, du coup on se retrouve directement à pouvoir lancer ce tirage. Ça va être une vidéo je pense assez rapide. Je vais du coup vous garder évidemment que les meilleurs moments pour que vous vous ennuyiez pas. Et on va du coup tout de suite commencer avec 60 tirages restants. Et on a également 100 Super Wheel Spin derrière. J'espère que ça va vous faire kiffer. J'espère également qu'on va avoir du lourd. Et également j'y pense, ça va être l'occasion de voir si vraiment les tirages ont été vraiment diminués en termes de qualité. Parce que c'est vrai qu'on m'a souvent dit effectivement que les voitures avaient été un petit peu diminuées en termes de qualité. Et j'étais bien d'accord avec vous, ça va être l'occasion justement de vérifier si les Super Wheel Spin et les Wheel Spin sont encore efficaces ou non. Ok, sympa, première voiture fantastique qu'on a. Je pars à la vente du coup pour 85 000, en vrai c'est pas mal du tout, donc on espère continuer sur cette lancée, même si on n'a pas eu grand chose pour le moment. Eh, ça c'est pas mal, 200 000, ça fait toujours plaisir. Oh, oh non, le Warthog, mais non. Bon allez, c'est les 5 derniers tirages restants, du coup on va les faire ensemble je pense pour voir. 90 000 crédits, ok c'est pas mal, on continue, on prend hein. Oh, il y a des voitures Forza Edition, il y en a deux qui se suivent je crois. Oh, on n'aura rien du tout, je suis dégoûté. Il y avait des trucs trop bien à avoir, mais 35 000 crédits quoi. Allez, un truc bien s'il vous plaît, là ça ferait plaisir un peu. Land Rover Defender, ouais c'est un peu nul. Allez, les deux derniers tirages normaux s'il vous plaît, faites nous un peu plaisir. Aïe 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 aïe. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Allez, il y a des trucs bien là. Il y a des crédits légendaires et tout. Peut-être qu'on va tomber dessus. Ok, 125 000. En vrai, ça va, c'est pas mal du tout. Et on a déjà bien monté en crédit. Hein. Franchement, c'est déjà vraiment bien, bien, bien. On a déjà pris quasiment 3 millions. Donc en vrai, pour 60 tirages normaux, je vais pas me plaindre. En vrai, ça va. Et du coup, on est parti pour les 100 super tirages. J'en ai même 101 du coup. Donc ça fait toujours bien plaisir. J'espère avoir autre chose que ces daubes-là. Oh oui, oh oui, incroyable, la MBSSK, la Mercedes-Benz, en plus de ça, la HVS Malo, oh incroyable. Oh cette voiture, la Mercedes les gars là, oh elle vaut au moins 10 millions je crois, soit c'est 8 millions, soit c'est 11 millions, mais je sais que c'est une des Mercedes qui vaut le plus cher du jeu, c'est trop bien, incroyable. Là pour le coup je suis déjà content de mon tirage parce que c'est une voiture qui me manque, et là c'est vraiment du délire. En plus on a celle-là qui vaut 150 000. Ah ouais, là on est vraiment trop bien, là ce tirage il est incroyable les gars, il est complètement dingue. Et on espère que ça va continuer parce que là ça commence très fort. Eh, hey, ça c'est pas mal la petite SLS AMG plus 175 000 crédits. C'est pas dégueulasse, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. 100 000, hop là, ça part. Ah là, une petite Ferrari, dommage qu'on passe à côté de la Merco encore, ça fait... C'est un petit peu dommage, mais écoutez, la petite Portofino qu'on prend, évidemment. Oh, celui-là, il est très cool, par contre. Hein. Lui, il fait vraiment très plaisir, pour le coup. On est à plus de 400 000 crédits, quasiment, donc ça fait plutôt plaisir. Oh, dommage qu'on n'a pas la Maserati en plus, parce que là, deux Forza Edition auraient été vraiment très bien. Oh, ça c'est un tirage pas mauvais encore une fois, une petite Ferrari 365 GTB 4 et 150 000 crédits quasiment, ça fait plutôt plaisir. 300 000 à se revendre, ça c'est plutôt cool.
Oh, celui-là il est très très bien aussi. Là on s'est mis vraiment très très bien. Plus de 300 000 crédits. Et là, Audi R8 V10 Plus qui doit valoir aussi. Ouais, pas mal encore. Là, on s'est mis très très bien. Vraiment très très bon tirage encore une fois. Allez, on enchaîne le tirage d'après avec 250 000 encore. Ça enchaîne bien. Et 300 000, et bah dis donc, là ça fait 400 000 encore ce tirage là, c'est un truc de fou franchement. Allez, ça fait plaisir, encore 250 000 plus le petit gremlin, ça fait toujours des crédits tranquillou. Oh oui! Oh, dommage la Bugatti! Ouais, très très bon tirage ça, encore 400 000 crédits assez facilement, c'est plutôt cool. Ouais, très bon tirage encore. La Fernlady Forza Edition, 175 000. Ouais, ça c'est super, hein. 250 000 ça se revend en plus, ça c'est vraiment génial. Le 50e du coup, super tirage, on est du coup à la moitié. Ça va assez bien finalement, plus la petite Ferrari Pista à 488 qui doit valoir son petit quelque chose. Oh non, la Ferrari X6. Oh, je suis dégoûté, je l'ai pas en plus. Oh là 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 là. Ouf, par contre celle-là, 275 000, c'est pas mal du tout. Oui, oh oui, allez encore, 250 000 crédits, ça fait toujours bien plaisir. Yes, petite Ferrari F12 Tour de France, ça fait toujours plaisir également. 250 000, ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. 350 000 crédits encore une fois, ça enchaîne vraiment bien. Oh, il y a la E63 AMG, dites-moi qu'on va l'avoir s'il vous plaît. Oh, on a un truc pas mal du tout également, 250 000 crédits, plus le petit Trail 4. Ouais, bon tirage encore, hein. Très très bon tirage, 375 000 crédits, c'est vraiment pas mal. Oh là là, ce qu'on loupe. Oh, je suis dégoûté. Oh, on a loupé des voitures de fou furieux, franchement ça me dégoûte. On a loupé la meilleure Forza Edition, on a loupé la Lotus, on a loupé la Jaguar et tout au-dessus. Ah, ça fait mal ce qu'on s'arrive ça, aïe aïe aïe. Mais c'est pas grave parce qu'on a la Ferrari Enzo juste derrière et une petite C63 également. Oh, ça fait très plaisir par contre, ça c'est vachement cool. Yes. Allez, il nous reste un quart du tirage, on est arrivé du coup au 25e super tirage. Et bah écoutez, c'est pas mal, hein. On a encore 200 000 crédits quasiment, ça fait toujours toujours du bien. Oh non, la Raguera, oh mon dieu, ce qu'on loupe. Oh, si on avait fait 100 000, 200 000 plus la Raguera, ça aurait été incroyable. Oh, on n'est vraiment pas tombé loin, mais ça reste un bon tirage quand même. 340 000 crédits, ça reste vraiment très correct. Ok, ça c'est cool, le petit Mercedes G63 6x6, ça fait très plaisir, franchement ça vaut bien cher. Ok, c'est pas mal, hein. 100 000 crédits plus le Ford Bronco qui vaut 250 000, ouh, c'est pas mal du tout. Et du coup ce sera vers les 5 derniers super tirages de ce petit opening. En tout cas, écoutez, pour l'instant, ça va, ça s'est plutôt bien passé, on n'aura pas eu des voitures de fou furieux, on aura quand même eu quelques-unes assez sympas, quand même, on va pas se mentir non plus, mais non, les crédits, allez, là, mais en vrai, ça va, franchement, ça n'aura pas été un mauvais tirage, franchement, il n'y a pas à dire, et là, on a encore vraiment pas mal de crédits, hein. Un petit Ford Ranger, 125 000, plus 100 000 à côté, ça fait bien plaisir. On enchaîne avec le Mini X-Raid qui vaut 125 000 encore une fois. Avant le dernier du coup super tirage, on espère avoir un truc lourd s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Bah non, du coup ce fera pas plaisir. Allez, le dernier s'il vous plaît, Forza, finissez en beauté s'il vous plaît, il y a plein de trucs légendaires en plus, il y a des voitures Forza Edition et tout s'il vous plaît. Oui, ah voilà, on finit sur un truc positif quand même, là on récupère pas mal de crédits encore une fois. Donc là c'est cool, franchement c'est super cool.
Oh, le nombre de crédits que j'ai gagné. On a passé les 110 millions de crédits. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Là, c'est vraiment un truc de dingue pour le coup. Et surtout, en termes de nouvelles voitures, bah, j'ai récupéré les deux qui valent vraiment super cher. Donc ça fait trop plaisir. Et du coup, surtout, je récupère la dernière Mercedes. Donc celle que j'ai récupérée, bah, elle vaut 7,5 millions. Voilà, je vous l'avais dit. Donc bah, écoutez, c'est juste génial. On va récupérer du coup la petite Merco. Oh, elle est incroyable. Je pense qu'on va la tester du coup pour la fin de cette petite vidéo. Du coup, on aura récupéré tout ça aujourd'hui. Enfin, du coup, les deux voitures plus celle-là, du coup, en bonus. On a récupéré, du coup, celle-ci à 7,5 millions, celle-ci à 3 millions quasiment, et elle à 20 millions. Donc, franchement, c'est un truc de fou furieux. Je vais rapidement calculer combien est-ce que j'ai gagné en tout avec ce tirage, et je vous retrouve juste après. Et du coup, j'ai fait le calcul rapidement. J'ai, du coup, remporté plus de 20 millions de crédits, à peine plus de 20 millions. Et également, bah, du coup, ces trois voitures-là, celle-ci à 20 millions, 3 millions, à 7 millions. Donc, si on additionne toutes les valeurs, du coup, de voitures, et bah, ça fait simplement 40, bah, tout simplement 50 millions de bénéfices en termes de valeur pure de voitures et de crédits. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. En plus de ça, quelques vêtements également, quelques émotes, pas mal de trucs que j'ai pu récupérer. Donc, ça fait vraiment super, super plaisir. On va, du coup, essayer ces petites voitures rapidement pour terminer cette vidéo. Et du coup, on va essayer cette voiture. Je pense que peut-être pas beaucoup d'entre vous, en tout cas, auront connu cette voiture. C'est un peu parce qu'il faut avoir toutes les Mercedes pour la débloquer. Et c'est pas une chose facile à faire, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, et bien écoutez, la voilà, la dernière des Mercedes qu'on débloque une fois qu'on les a presque toutes. Oh, et c'est très bien ce qu'on a dans l'arbre des compétences. On a 10 points Forza, 9000 XP, 150 000 crédits et surtout deux super tirages qu'on va du coup pouvoir faire. Ce sera du bonus, on va les passer du coup rapidement. Et bien on a encore 150 000 crédits. Et là il y a du lourd, donc on va peut-être pas le passer celui-ci par contre. On va voir ce que ça peut donner. On n'aura rien malheureusement. Et du coup on pourra continuer également avec la Ferrari Enzo, qui est une super Ferrari, hein. Franchement il n'y a pas à dire, elle est vraiment magnifique. Et bah, je l'avais pas non plus, donc on va du coup aller pouvoir voir ce qu'il y a à débloquer dans les maîtrises de véhicules. Et on a cette fois-ci seulement 10 000 XP et 15 000 crédits, c'est un peu moins intéressant quand même. Oh là, regardez-moi cette beauté, franchement c'est un truc de fou furieux quoi. Oh là 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 là, ce style qu'on a, franchement, ce style de l'époque là, c'est incroyable, des voitures comme ça dans Forza. Ça fait vraiment, vraiment du bien d'avoir des véhicules comme ça. On va du coup pouvoir également aller voir les maîtrises de voitures. Et là, on a du très très lourd, hein. On a 10 000 XP, on a encore un super tirage et 25 000 crédits qu'on va récupérer rapidement. Et ça, c'est pas trop mal, hein, parce que l'AMG, elle vaut un petit peu des crédits quand même, il me semble, hein. Ouais, voilà, 82 000, ça fait toujours 100 000 crédits de récupérer en bonus et un tirage également. Bah dis donc, c'est la fête. Allez, il y a des crédits encore à récupérer, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Allez, let's go, 300 000, hein, mais ça c'est un truc de fou par contre. On a vraiment une chance de fou aujourd'hui, franchement, 300 000. Bah, on s'approche du coup des 21 millions récupérés dans ce petit opening. En tout cas, moi j'espère que du coup, bah, qu'il vous aura plu, franchement, parce que là on aurait eu vraiment du super lourd. Hein. Là, franchement, si jamais vous étiez en manque de pack opening, bah écoutez, j'espère que ça vous aura satisfait. Moi j'espère également que cette vidéo en tout cas vous aura plu, si c'est le cas vous savez quoi faire, un gros pouce bleu et pensez bien également à vous abonner et mettre la petite cloche, merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Et puis du coup bah moi je vais pouvoir vous laisser là-dessus, vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, c'était Alex, ciao pour ça de vous, à la prochaine.